De nombreux chantiers sont menés à bien chaque année à Cernay. Guy Jacob, adjoint aux travaux, merci d'être avec nous. Quelques mots sur ces chantiers en 2012. Ouais. Donc, sans vouloir être exhaustif, je pense à l'extension du cimetière, je pense aux travaux de voirie, rue du Moulin, parking avenue Charles de Gaulle, je pense également aux travaux sur les bâtiments, bâtiments scolaires, la toiture de l'école des Tilleuls, je pense à la rénovation BBC du complexe sportif, ainsi que la rénovation de la conciergerie. Nous pourrions en rajouter bien sûr beaucoup, sans oublier bien sûr tous les ans la rénovation du matériel roulant. Bien, merci Guy Jacob. Illustration en images. Après la destruction des anciens immeubles, la réorganisation du quartier Bel Air se poursuit. Nouveaux bâtiments, nouvelles routes et jardins familiaux font partie des réaménagements. À l'entrée de la ville, un nouveau parking a vu le jour. La rue des Moulins est passée à sens unique, permettant l'élargissement des trottoirs. Suite à l'achat de terrain par la ville, l'extension de 20 arts du cimetière ainsi qu'un nouveau parking ont pu être réalisés. La toiture et l'isolation du grenier de l'école des Tilleuls ont été entièrement refaites. Un nouveau jeu a été mis en place au parc des Rives de la Ture. Nouvelle décoration de Noël au centre-ville, qui utilise désormais la technologie LED. Extension du réseau de vidéoprotection. L'installation de 25 nouvelles caméras contribue à accroître la sécurité des biens et des personnes. Le 24 novembre, inauguration par l'association Aléos d'un nouveau bâtiment BBC, rue Charles de Gaulle, comprenant 25 studios avec kitchenette, permettant l'accueil d'un public âgé dans un cadre adapté et économique.